Bonjour. Je vous ai dit hier que j'allais nager, mais bon, aujourd'hui j'ai fait l'effort, je me suis rapprochée de la piscine. Donc, victoire. Ça fait 2 jours que je suis à côté de la piscine. Hier, j'ai juste mis mes pieds dans la piscine. J'ai touché aussi avec mes mains. Voilà. Bonjour, chérie Bina. Bonjour, mes loulous. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. J'ai de bonnes choses. Ça va vous donner beaucoup d'argent. Ça va vous donner la joie. Vos Decepticons vont fuir. Oh my God. Oh, j'ai bien dormi, franchement. Regardez ma peau. Regardez ça, ça. Ça a un peu plus d'élasticité. Non, mais les sorciers d'Abidjan, là, hier, le travail que j'ai fait hier soir ici, quand il finit, je suis rentré, je m'en dormi. Les gens d'Abidjan, là, vous m'avez pas encore amené en boîte de nuit. C'est comment allez-vous? La dame qui m'a reçu, c'est une femme. C'est une femme. Hey papa, en boîte de nuit. Victoire, tu as béni quelqu'un avec l'argent. Tu es dégoûté pourquoi? Tu as sémé 70 euros dans la vie de quelqu'un. Tu es dégoûté pourquoi? Dis maintenant que tu reçois ça 10 fois plus ou 100 fois plus. On vous dit de payer vos dîmes, vous ne payez pas la dîme. Ça va sortir de toutes les façons. Bonjour, Ghislaine. Oh là 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 là, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Vous savez pourquoi on vous dit de payer la dîme? Hein? Parce que si tu ne payes pas, si ça ne sort pas pour partir à quelqu'un qui va t'aider dans ta spiritualité là, hein, ça va toujours partir. Soit tu vas payer le frigo qui est gâté, soit tu vas arranger la voiture qui est gâtée. Ok, passons maintenant aux bonnes choses. J'espère que vous avez bien dormi. Vous voyez, moi, j'ai bien dormi. J'ai dit que le lit, c'était doux. Jesus. Rachel Atanga, tu as raison. Il faut le cœur pur, je dirais. Parce que beaucoup de personnes ont... Je vais en parler avec vous maintenant. Beaucoup de personnes sont les Decepticons. Donc, quand j'arrive à côté de vous, vous avez des cœurs pleins de jalousie, hypocrisie. Vous m'écoutez, hein? Je sais que j'ai les Decepticons qui me suivent. Oh. Bonjour Decepticons, bonjour Tanticon, Maman Ticon, Papa Ticon là. Ouais, les voisins Ticon, les clients Ticon, les Facebook Ticon. J'ai même des clientes qui m'ont. Je vous ai même bloqué sur WhatsApp, vous me regardez toujours. Vous me regardez pourquoi? Vous venez à cause à cause de 50 euros, vous voulez me parler. Pardon, quittez sur ma page. Il vient que répondre t'insulter chaque jour, tu es toujours là. Bon. Écoutez, hein, mais choisis. Mon message ne va tomber que dans la terre fertile. Donc, si votre cœur est plein de vos pensées bizarres, là, vous allez m'écouter et dire la fille, il dit même quoi? Oui. Mais m'attends parce que ce soit tout le monde qui reçoit ce que j'ai dit. Même si vous faites jusqu'à vous venez, vous passez tous les radars que mes esprits ont mis. Jusqu'à vous arrivez devant moi, même devant moi, ne levez pas vous voir. Il y a une qui est venue comme ça ici hier, non? Elle vient pour la consultation. Dès qu'elle la voit, tu me suis depuis quand? Depuis hier. Non, je te suis depuis que. T'as fait il y a plusieurs fois que je te suis, hein? Depuis quand? Depuis hier. Je te lave avec. Je me lave, t'as fait 2 ans qu'elle me lave avec le sel tous les jours. Je me lave souvent, souvent pas. Sa parole n'est pas fixe. Je dis que ma chérie, je ne vais pas te consulter. À la fin, oh, est-ce qu'elle peut te parler? Je dis que ma chérie, quand elle t'écoute là, il y a des sceptiques dans toi.
On a tourné, 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 tourné là. Que votre parole est, que mon oui soit oui, que mon non soit non. Et il y en a, vous m'écoutez, je suis là en fait pour que beaucoup d'entre vous, vous êtes purs de cœur, vous êtes simples. Et votre simplicité n'était pas faite de sagesse. Être pur ne veut pas dire que je suis bête. Parce que la Bible dit sans la pureté, sans la pureté de cœur, je ne peux pas voir Dieu. Être pur ne veut pas dire que je suis bête. Les gens vont t'approcher. Premier jour, ils vont mettre sur lui ou sur elle. Deuxième jour, tu donnes 50 000, rentre avec, c'est ton argent de béni. Troisième jour, hey, la fille, là, elle est bête. Hein? J'ai passé 4 jours avec elle. Les 4 jours, c'est elle qui a tout financé. Les 4 jours, c'est elle qui a tout fait. Ah, j'ai trouvé une simpleton. Il reste avec toi comment ton argent entre. Plus de cœur, ça ne veut pas dire que je suis bête. Donc je veux que vous dissociez les deux. La personne reste avec toi 2 heures de temps. La personne voit comment te, en 2 heures de temps, tu te fais 300 000. 500 000. This is a simpleton. Regarde-le, tu lui dis Decepticon, va là. Problème de quoi? Il vous observe, ce Decepticon. Bon, profitons. Pause haut. Ça, c'est la pause. Pause quoi? Pause pub. Voilà. En vous baignant dans de l'eau chaque matin, de l'eau dans laquelle vous avez mis du sel. tous vos Decepticons vont fuir. La main de Dieu sera sur vous. Sa main est sur moi, sur moi, sur moi. Pardon, venez plonger cela. Ah, bien-être. Je vous ai dit que vous méritez le bonheur. Et il y a les gens autour de vous que, quand la personne arrive, il suffit que la personne fasse 2 jours avec toi. Problème sur problème. Tu te lèves, tu es au bord de la piscine. La personne dit, tu étais où? C'est plus 2 heures de temps, j'arrive pas à te joindre. Mais je me relaxais. Je me relaxais. Je prenais mon bain, après j'ai fait la méditation. C'est quoi? Tu vois la tromperie partout. Si elle veut te tromper, elle veut te tromper. Mais je ne fais pas ça dans mon cœur, je ne fais pas. Je ne fais pas ça, je ne fais pas 2 trucs. Mm-mm. Mon cœur, quand c'est un là, c'est un. On va vous prendre pour des simpletons. Je vois que je suis avec elle, elle ne ment pas, la fille ne ment pas. Elle dit ce qu'elle fait, elle fait ce qu'elle dit. Le truc, c'est que les Decepticons là n'ont même pas peur. Écoutez, si vous êtes choisi, vous êtes la prunelle des yeux de Dieu. Je vous répète ceci. Oh my God, bel épervier, tu veux venir prendre les poussins ici? Qu'elle voit les éperviers, si je pense aux poussins d'Anatole à la maison. Je vous ai dit que les femmes d'Anatole ont eu les enfants, non? Anachou a les enfants. Mais les poules là, ce sont les sorcières. Elles couvrent 22 œufs. Elles ont 5 enfants. J'ai dit que des 5 enfants, si je dois avoir encore 2 Anatole, pardon. 2 Anatole doivent sortir, c'est ça. Mais laissez-moi ériger, j'ai envie de rire ce matin. Ah, La main de Dieu est sur vous. Écoutez bien. La main de Dieu est sur vous. Maintenant, tu doutes. Le Decepticon qui est plein dans son cœur, là, il n'y a que la jalousie, l'hypocrisie, la tromperie. Il avait une fille comme ça, alors qu'il a encore 2 autres dehors. Il vient, il te fait ça. Il ne sait pas que ta pureté de cœur, c'est ça qui fait que ton revenu est toujours plus élevé que pour lui. Vous êtes ensemble, hein? Sur son téléphone, là, il y a un 3 go. Lui. Toi, quand tu sors, tu dis que tu pars au boulot, tu es parti au boulot.
Quand tu rentres, quand tu dis quelque chose, ta bouche est droite comme ça. Comme ils ont mangé le soleil. Vous m'avez gagné. Aïe, je suis dans la joie ce matin. C'est vrai que je suis toujours dans la joie, mais le genre de joie de foutu là. Parce que vous aimez trop prendre les gens pour les cons. Tu es avec quelqu'un te regarde, elle te dit que je suis protégée par des esprits. Ne me trompe pas. Ne me manque pas. Il te regarde, il dit, oh, la petite fille là-bas, tu crois que tu peux quoi? Tu peux quoi? La main de Dieu est sur moi. Écoutez, mesdames, messieurs, si tu sais que tu es choisi, tu dois commencer à croire. Dieu a dit dans sa parole que tes ennemis là, il va leur faire du mal. For your sake, pour toi, donc pour toi. Quelqu'un vient prendre ton argent et pas s'amuser avec une fille avec. Wonderful. Tu pleures, tu es là, tu pleures la nuit. Il n'a pas peur de Dieu, hein? Jesus is Lord. Vous-même là, vous avez trop douté de vous. Vous avez trop douté de vous. Tu restes, tu crois que tu es une petite fille dans un petit quartier. Je te dis que, hein, you are the one. You are the one. C'est toi qu'on attendait. C'est toi qu'on attendait. Lève-toi maintenant. Lucie. Vous allez comprendre que la pureté de votre cœur là, c'est la porte d'entrée du Saint-Esprit pour agir. Pour mettre le jugement. Il y a des personnes que quand ils étaient avec vous, ils prenaient votre argent tous les jours. Je disais, ne t'amuse pas. Ne t'amuse pas. Quand ton arrive, va faire la java avec les gens. Il va éclater. Tu bosses, tu bosses. Il peut même mettre les enfants dans le ventre des gens dehors. Écoutez, quand il me met, il dit que je vais faire mon direct. J'attends seulement que c'est ce qu'ils me disent de dire que j'ai dit seulement. Et ce qu'il y en a parmi vous, on vous a fait ça dur. Comprenez que vos larmes là, comme c'est sorti, c'est tombé là. Le jugement est sur eux là, fort fort. On ne s'amuse pas avec un choisi. Souvent, vous-même, vous ne connaissez pas votre pouvoir. On ne s'amuse pas avec un choisi. Que ce soit un ou une. Parce que toi, tu ne connais pas ce que tu portes. Tu es tout en train d'aider les gens. Tu conseilles les gens. Tu passes ton temps au téléphone, tu conseilles, tu aides. Tu fais les dons aux orphelinats. Tu es la prunelle des yeux de Dieu. Maintenant, laisse Dieu s'occuper d'eux. Laisse Dieu s'occuper d'eux. Va les toucher. Quelqu'un vient t'utiliser. Quelqu'un vient t'utiliser. Pour avoir les papiers. Il te dit que je t'aime. Tu dis, tu es sûr. Tu prends les papiers, tu te maries avec la personne, tu lui donnes. Dès que la personne sait qu'elle a son titre de séjour ou bien sa nationalité là, tu commences à voir le feu à la maison. Tu dis que, attends un peu. Est-ce que tu sais même qui je suis? Do you know who I am? Je suis la bénédiction. I am the blessing. Et il y en a que vous devez même trop vous retenir. Parce que si tu ouvres ta bouche, tu maudis la personne là. Sur 5 générations, vont souffrir dans leur famille. Vous ne connaissez pas qui vous êtes. I am the blessing. Fallait le déterminer. Peut-être que pour l'instant, vous devez seulement m'écouter pour l'instant. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à parler avec moi. C'est que vous allez monter, descendre. Vous allez même venir chez moi, vous n'allez pas me voir.
Giseline, toi-même, tu connais déjà ta part. Tu es très spirituelle. Maintenant, je ne sais pas dans quel pays et je sais pas ce que tu fais dans la vie. Tu dois avoir des petits blocages qui te font que toi, tu es encore en arrêt. Il y a les gens qui ils ont fini avec la... Donc, ils n'ont pas peur de Dieu. Ils n'ont pas peur de Dieu. Déjà qu'il n'a même pas observé que depuis qu'il est entré dans ta vie là, ces choses marchent. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire, la femme qui est venue me chercher à l'aéroport. J'entre dans la voiture, elle part pour payer le ticket de parking là, pour payer le parking. Parce qu'ils avaient fait, je crois, 2h30, 3h sur place. Elle arrive, elle me dit que le gars qui prend l'argent dit que non, on te donne gratuit, que pas. Elle entre dans la voiture, elle dit que ah, l'onction de la reine a déjà commencé. On m'a mis de le parking gratuit. Vous devez être conscient que vous êtes de la bénédiction. Donc tu connais que comme je marche là, j'entre chez vous, vous êtes béni. Je sors là, c'est fini pour vous. On dit que tu te prends pour qui? Je me prends pour the one. I am the one. Maintenant, vous devez comprendre. Ce qu'ils ont pris, ils sont partis avec. Ce n'était que le 0,00001% de ton pouvoir, ma chérie. Mes représentantes de France sont très à l'écoute. Donc, fallait le déterminer là. Prends le numéro là-bas, tu écris. Tu leur écris. Si tu, il te faut le lavage à distance, donc prends aussi le lavage. Ils ont pris 0,0001%. Donc, tu as encore ton 99,99999. Ils n'ont rien touché. C'est parce que tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Tu es venu sur ma page là. Quand il te dit quelque chose, crois. Crois ce qu'il te dit là. Crois. Quelqu'un vient dans ta vie. Il croit qu'il est ton Dieu. Oh non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non. Même si tu te parles pour 5 minutes, moi, je m'assois avec toi, tu te parles 5 minutes. Je te passe mon pouvoir. C'est pour ça qu'il y a certains parmi vous n'êtes pas encore prêts à me parler. Non, non, ready yet. Je reste à distance, je prononce ton nom, je prends l'eau, je verse sur ta photo. 8 jours plus tard, tes choses, tes papiers se débloquent. Maman, vous les Marocains là, hein, il doit venir là-bas, il doit toucher tous les gens du Maroc là, comme ça vous traversez une fois. Il doit mettre ma main sur vous. Maman, vous devez faire le lavage, même le lavage à distance, vous ne le faites pas. Ceux qui sont au Cameroun, j'ai consulté les Européens qui étaient au Cameroun à distance. Donc ceux qui sont au Cameroun, je consulte toujours au Cameroun. Et si vous amusez, j'arrive au Cameroun, je fais même 2 semaines avant de vous consulter encore. Camerounais, vous êtes trop... je ne sais même pas comment vous dire. Les autres, depuis 2 mois, c'est la première fois que je sors du Cameroun. Maintenant, je suis sorti, les Camerounais commencent à dire que wow, vous ne voulez pas venir pour la consultation. Vous êtes fous. Les autres pays que je consulte à distance, là, ils sont bêtes. Et il y a des personnes là qui vous suivent, qui viennent à côté de vous parce qu'ils ont vu la bénédiction sur vous. Maintenant, ces personnes vont venir vouloir jouer sur votre mental. Vous partez faire une application, vous deux. Vous deux. Ça pas marche, pour lui ne marche pas. Tout n'a pas marche, pour lui ne marche pas. Dès qu'il commence à sortir avec toi, ou bien il commence à te fréquenter, on l'appelle monsieur, il cherchait le boulot depuis 5 ans. En 2 mois, on lui propose 5 boulots. C'est même lui qui refuse. Il faut comment l'argent pour toi est facile. Tu ne stresses pas pour l'argent.
c'est la partie là qui me plaît. On est, les choisis ne stressent pas pour l'argent. Mon fou parlait même de quoi. On voit quelqu'un me dire que oh, 50 euros, rembourse-moi mes 50 euros. Il y a une dame qui est venue hier pour que je la rembourse. Maman. Ah. Je la rembourse. Hein. Son argent qui touche ma main, c'est 40 pounds. Je passe sur Convert, je convertis l'argent. J'ai dit que virer à la femme là l'équivalent de 40 pounds. On vit, ses frais de retrait au Cameroun, c'est 800 francs. Elle me contacte pour dire que les frais de retrait de 800, que quand on a retiré l'argent là, il y avait 800 qui manquaient sur ça. J'ai dit vraiment, voilà, vous souffrez, vous venez avec vos 50 euros, vous voulez, vous souffrez. C'est pour ça que je n'ai même pas pu te consulter, ma chérie. C'est comme ça. Decepticon, clienticon. Après, m'écrit à 3h, où c'était ma calo, je me réveille le matin et vois le message. Que oui, quand j'ai, on a fait les frais de retrait, c'était 800. J'ai dit, ouais, yo, 800 francs. Vous êtes là-bas en Europe, vous souffrez, vous faites le nettoyage. Vous nettoyez dans les hôtels. Tu ne mérites pas de me parler. You don't deserve. Tu ne mérites pas 2 minutes de mon temps. Les choisis n'ont pas de soucis d'argent. Hein. Et il ne faut pas que les gens d'argent là restent dans mes poches. Il ne veut pas les argenticônes. Argenticônes là. Il y en a parmi vous, tous vos clients vont partir. Parce que c'était les clienticônes. Je vous dis, les femmes là, ne me suivez plus, quittez sur ma page. Et tu vas me regarder comme ça, là, ton téléphone va se griller. Je vous dis, ton téléphone va se gâter. Parce que tu es en train de me regarder. Les Facebook ticônes comme ça. Tu as économisé l'argent pendant deux mois ou deux semaines pour pouvoir payer la consultation. On va parler de quoi? On va s'asseoir, on va parler de quoi, toi et moi? Écoutez, je m'assois chaque jour 2 heures de temps. 3 clients, 4 clients. J'ai fait ma journée. Peut-être que quelqu'un m'arrête, je vais te parler. Vous croyez que je Seigneur Dieu, Seigneur, dis-le, Seigneur. Vous ne connaissez pas qui vous êtes. Il y a des gens que vous chasserez de votre vie. Tu vois un client vient, tu portes son argent, tu lui donnes. Tu mets même l'argent et taxes sur ça, tu dis que pas. Je ne veux pas te vendre mes choses, pas. Il y en a qui viennent souvent là-bas chez moi, ils les chassent. Que j'ai déjà payé. Il dit qu'elle a payé combien? 50 000, 70 000. Pour que tu l'as envie de donner. Bye. Mendomo Marcel. Si tu connais que tu es choisi. Si tu es clienticone, ne me contacte même pas. Pardon. Cyril, je vais te bloquer. Je suis ici là pour parler. Je suis en train de faire le business. Tu as compris, Cyril? Ça ne va pas. J'ai le doigt facile. Je bloque. Je ne peux pas venir m'embêter. Je sais que je suis belle. Tu sais ça? Je sais que je suis belle. Quand il va finir mon direct, il serait toujours heureuse. Ne croyez pas que parce qu'il va me fâcher, c'est là que... Il y a les esprits, c'est là que je dois les adresser. Je dois vous parler. Je vous connais de cette icône. Il sait pas ce que vous faites sur ma page. Ok, Mendo, ma sœur, a fait ton lavage à distance. Ça veut dire que je peux te parler au moins, oui. Il y a des décepticons qui vont venir dans votre vie. Ils ont toutes les formes. Ils se transforment en pouf. Client, copain, mère, père, tante, oncle, voisin. Leur but, c'est de voler votre énergie. Votre bonheur les énerve. Tu restes même à la maison dans le lit, l'agent vient te trouver dans le lit. Ça énerve la personne.
Il voulait que tu manques l'argent parce que tu vas venir le. Ouais, papa, donne-moi un peu. J'ai besoin d'argent si vous faites ça. Ouais. Ouais, papa, je veux acheter telle chose. Les choisis, là, vous devez vous connaître. La bénédiction est sur vous. Et ils sont jaloux parce que malgré tout ce qu'ils font, vous avancez. Ils vont changer de stratégie. Beaucoup de choisis, vous êtes sur l'abus psychologique, l'abus verbal, émotionnel de votre famille, le chantage émotionnel. On te voit d'abord, tu es belle, ça les énerve. Parce que les choisis sont belles. Elles sont belles et ils sont beaux. Regardez, regardez. Ceux qui me voient en personne alors disent que ma mère, que tu es belle jusqu'à. Même à 90 ans, vous allez venir me voir. Kardashian. Pardon. Il t'a dit ça. Ouais. Tu es belle, ça les énerve. Tu t'habilles bien, ça les énerve. Tu me mets n'importe quoi. Tu lances même le wang ici sur toi. Ça marche. Tu es belle. Pardon, laissez comme ça. Tu mets le wang ici sur toi. Ça marche, c'est beau. Maintenant, quand tu plus tu aimes ton corps, plus tu aimes ton corps, plus ton corps devient beau. Tu aimes ta peau. Tu t'aimes. Tu te réveilles le matin, c'est comme si dans la nuit, quelqu'un est passé, il a versé le sang sur toi. C'est comme si il y a une opération qui s'est faite dans la nuit. En plus, si tu prends mes produits à l'eau, jusqu'à ma main est passée sur ça là. Même si c'est l'eau que tu prends, tu laves ton visage avec. Du déchaîne. Et même vous, quand vous m'écoutez fidèlement là, même mes paroles là, ça vous guérit. Seulement mes paroles là, c'est déjà la guérison. Oui, que tu mets quoi pour être comme ça? Ma chérie, sur le bien-être. Tu te couches comme ça là, tu dis, life is sweet. Tu dis, life is sweet. Monsieur Shadrach, on n'a pas besoin de porte-monnaie magique. On est le porte-monnaie magique. On est le porte-monnaie magique. Tu restes, il y a n'importe quel besoin. Tu te couches comme ça, tu te relaxes un peu. Le soir, l'argent est dans ton compte. Edeli, le soir, l'argent est dans ton compte. Vous me comprenez? La bénédiction des choisis. Vous ne, écoutez-moi bien, vous ne devez plus avoir un souci d'argent. Que quelqu'un vient te stresser, tu vas faire comment? Hein? Tu vas faire. Aïe, 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 aïe. L'énergie que tu sens dans ton corps, là, tes os. Je suis arrivé à un niveau où je sens mes os vibrer. Comme je vous parle comme ça, je sens la puissance dans mes os. Donc, il porte l'habit sur moi, il te donne. Je touche un produit, il te donne là. Ça va activer ta part. Même les paroles que vous écoutez, les paroles que je vous dis, c'est esprit et vérité. Ça vous permet de vous réveiller. Il te fait le chantage. Depuis que tu es parti du mariage là. Donc un homme ne t'a même pas encore calculé depuis là. Parce qu'on voit, tu ne manques de rien. Tu ne manques rien à personne. Depuis que tu as quitté ton ex-mari là, tu as construit deux maisons. Tu as acheté 5 terrains. Ton onction, c'est pour toi. Il ne prend plus ton onction.
Il y en a parmi vous qui. Votre, il y en a que j'envoie les produits. C'est la personne qui me contacte maintenant, qui me poursuit. Que wow, dis-moi alors combien je dois payer. Que j'ai tes produits, je fais comment? Mais il y a les Decepticons que depuis 3 mois que vous avez payé. Jusqu'aujourd'hui, chaque fois qu'on veut faire votre paquet, ça ne part pas. Le numéro Orange Money, voilà, écrivez à la représentante là-bas. Défilez le direct. En haut du direct, là, vous allez voir le numéro de la Côte d'Ivoire. Prenez le numéro, vous envoyez dessus. Que depuis que tu es sorti de leur cercle là, depuis que ta famille t'icône là, tu ne les vois plus. Ils te voient seulement à la télé ou sur tes statuts. Tu as déjà fait 3 pays. Tu as acheté 4 terrains. Tu avais la famille t'icône. Tante t'icône, oncle t'icône, maman t'icône. Ils vont maintenant revenir. Tu sais, on n'est rien sans sa famille, hein. Une femme a besoin de se marier. Tu crois que tu vas arriver jusqu'où? Chantage émotionnel. Chantage émotionnel. Si tu tombes aujourd'hui, qui va te relever? Si tu meurs, qui va t'enterrer? Si je meurs, je suis à mort. Si je meurs, à don't die. Je suis à mode. Et comme je suis choisi, rien ne peut m'arriver. Quand tu conscient de la puissance qui est dans, dans ton corps, quand tu conscient de la puissance que tu portes, tu arrives n'importe où. Même si tu entres dans un endroit où il y a les bandits, quand les bandits vont te voir, ils vont oublier pendant le temps que tu es là qui sont bandits. Tu en as le taxi à les bandits. Ils vont sympathiser avec toi jusqu'à. Hé, hey, au revoir ma chérie. Hé, hey, la fille est gentille. Hé, hey, on est des braqueurs, non? On a laissé partir. Ouais, quand ils voient un choisi qui ne se connaît pas, ils disent que you don't know. You don't know yourself. You don't know yourself. Et quand vous allez sortir de leur vie, ils ne peuvent que vous guetter, vous épier sur vos statuts. Ils vont souffrir. Ta maison va s'agrandir seulement. Tu augmentes l'extension, tu construis encore l'autre à côté. Tu peux encore acheter même l'autre. Extension sur extension. Chez eux, c'est le contraire. Oh, on n'arrive plus à payer le loyer. Il faut qu'on parte prendre une maison plus petite. Tu te faufiles seulement dans les coins comme ça là pour entrer chez eux. Mais c'est comment? Qu'est-ce qui s'est passé, tata? Soyez conscient de votre puissance. Il y a des gens qui... Ah, c'est à cause de vous qui sont bénis. Donc, il vous fait le chantage. Tu sais, avec tout l'argent que tu as besoin d'un homme dans ta vie. Hein. Tu as besoin d'un homme dans ta vie. Hein. Étoile du monde, mon rire te fait rire. C'est le rire de la gloire glorieuse. Aïe, Seigneur. Tu as besoin d'un homme dans ta vie. L'homme là, c'est qui? Non, c'est moi, je suis l'homme là. Je suis l'homme là. Tu as d'abord quoi, toi? Tu as quoi? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Les gens ont confirmé ce que tu dis que tu mérites d'être mon homme? Hein? Ou ma femme? Guigui, laisse ça, je vais très bien, merci. Tu as fait quoi?
Si c'est le sexe là, c'est qui, je suis pas impressionnée. Et les choisis ne sont pas. Vous ne courez pas derrière le sexe. C'est bien ça, reine, mais tu as écouté mes conseils. Oh, je vais te faire l'amour comme on ne t'a jamais fait. Mon fils là-bas. L'amour là, ça prend même souvent l'énergie. Ça finit mon énergie pour rien. Mon énergie, c'est l'argent. Je veux pas. Tu as quoi d'autre que tu peux me donner? Tu as quoi d'autre que tu vas mettre sur la table? Tu as quoi d'autre que tu vas mettre sur la table? C'est là que vous allez voir les vrais dragoticons là. Les choisis ne sont pas, c'est pas, tu es pas seulement sur le sexe. Oh, j'ai envie de faire l'amour. Tu as mieux à faire. Tu as mieux à faire. C'est pour ça que c'est rare de voir un choisi qui va aller tromper son gars ou sa copine. Ah, non. Tu sais que quand tu commences, ouvre ton cœur pour mentir, tu ouvres la porte au malin. Tu te lèves le matin, tout ton truc est seulement chaque focalisé. Allez, on va impacter qui? Ok, il faut qu'on ouvre encore une autre succursale. On doit acheter un terrain là-bas. Ouais, on doit me faire encore d'autres bruits. On a ouvert le magasin là-bas. Voilà tout ce qui t'importe. Je vais te faire un câlin. Tu ne m'as pas écrit depuis que tu t'es réveillé. Tu ne m'as pas. Je veux que tu me prépares le coquille. Je veux que ce soit ma femme qui me prépare la nourriture. Chérie, je vais payer 3 personnes. Je vois 3 cuisinières à la maison. Elles vont préparer. Je veux que tu sois une bonne femme au foyer, une bonne femme. Je ne suis pas femme de ménage. Aimez-vous. Approuvez-vous. Tu le rencontres ou tu la rencontres, tu ne cherches pas son approbation. Il y en a parmi vous, vous n'êtes pas intéressé par le sexe. Est-ce que vous vous demandez si vous êtes même normal? Tu veux savoir le gars comme ça là? Non. Vous allez vous regarder, vous dites. Non. Ce qui doit être important pour vous, c'est votre énergie. Quand ça ne va pas, tu pars prendre un spa, tu pars dans un hôtel, dans ta ville. Souvent, dans ma ville. Je repère les hôtels là, les nouveaux hôtels là. Je pars là-bas, ils passent même une nuit. Je vois, la piscine est belle. Ok, ça là c'est beau. Tu changes l'énergie, tu quittes un peu l'énergie de la maison. Le séjour que tu as passé là, tu vas voir que tu vas faire même 500 000 en plus. 1-2 000 euros va tomber le jour là, parce que tu as changé d'environnement. Qu'on arrête de vous faire douter de vous. Tu as besoin d'un homme. Non, I need money. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'accomplir mes objectifs. J'ai besoin d'accomplir ma mission de vie. Tu vas voir que les yeux avec lesquels tu regardes les femmes, ça va changer. Quand une femme vient te dire que je veux la perruque, je veux la brésilienne. Hé hey, bébé, tu ne m'amènes pas ici manger. Hey, nan. Tu vas la regarder comme ça. Tu as dit next. Tu lui dis, je sais laver au sel. Elle ne veut pas se laver avec le sel. Fais tes déclarations le matin. C'est une copine ticone là-bas. C'est une girlfriend ticone. Victoire Wage, tu n'as pas besoin d'argent. You don't need money that way. L'argent est déjà là. Tu peux te coucher comme ça. Dites-vous toujours qu'un problème ne peut pas venir si vous n'avez pas la mesure ou la puissance en vous de produire l'argent pour résoudre ce problème. Et bien plus. Jusqu'à tu as même le dessus, tu as l'autre au-dessus.
Je suis béni, tout ce que je touche, ça marche. J'arrive dans votre hôtel, toutes les chambres vont se remplir. J'entre dans ta boutique, je m'assois dans ta boutique 30 minutes. Les clients vont venir quand tu n'auras même plus le temps de me servir. Je suis la bénédiction. I am the blessing. Même les charlatans viennent pour prendre pour prendre ma part les paroles que j'ai dit non. Tu crois que quoi? Tu crois que ma et ça c'est un autre truc aussi que vous devez comprendre. La lumière attire. Quand ils viennent à toi, ils ont besoin de ta lumière. Ils doivent comprendre que c'est toi le générateur. Tu es la pile. Tu es la pile. Si tu n'es pas là, il n'y a pas le show. Aquapo. Aquapo. Écrivez Aquapo. Et ça vient de tes os. Dans la Bible dit que Élie est mort. On l'a enterré. On est venu pour enterrer un homme là où on avait, à côté de là où on avait enterré Élie. On a lancé son corps, ça a touché les os d'Élie. Dès que ça a touché comme ça, là, le monsieur est revenu à la vie. Cueillez, je suis où comme ça là, je suis où? Hein? L'onction avait parlé. C'est dans les os. C'est dans les os. Ça a traversé ta chair. Ça a traversé ton sang. Ça a dans les os, la moelle épinière. Qui peut prendre? Qui peut? Qui, est-ce que c'est d'abord? Ce sont eux qui t'ont donné. Oh, si je quitte mon mari, je vais faire comment? Si je... Non, non, non. Il y a des gens qui veulent vous quitter, que vous devez les laisser partir. Let them go. Il y a des employés qui veulent démissionner. Vous devez les laisser démissionner. Vous allez me mettre tous les... Je vais voir la personne qui connaît le patois ici. Laissez-les partir. Ton business a besoin d'une nouvelle énergie. Et les choisis sont exigeants. Ça doit se passer comme je veux. Giseline, t'as pas là, tu as bien écrit. Aquapo. Voilà. On peut bien. Aquapo. Aquapo. Aïe, 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 c'est ça. Non, pour vous, là, ne donne pas. Votre quoi, là, ça ne donne pas. Aquapo. Non, ça ne donne pas autant. Hé, hey, quel est, Seigneur Jésus. Le choisi est exigeant. Parce que tu exiges avec toi-même d'abord. Yes, c'est ça, Victorine. À quoi pour? Tu arrives quelque part en disant à tes employés que venez faire comme ça. Toi-même, tu es devant en train de faire. Celui qui ne veut pas s'aligner, tu le laisses pas. Tu le libères. Tu le libères. Je dis toujours à mes employés que ne croyez pas que tout ce que vous faites dans mon entreprise, je peux faire ça. Je peux faire. Donc ne viens pas essayer de te demander qu'à soit toi, tu réponds au téléphone comme ça. Tu fais Moi, je te chasse. Nana Michel, va faire ce qu'ils t'ont dit de faire alors. Non, Dave, alors tu as fini. Tu as écrit ça comme. Tu as écrit ça. Dave David. Tu t'appelles Akono. Comment tu écris bien le patois de Bamideke comme ça? Hein, encore non. On va prendre un petit bain tout à l'heure. Ah. Ah. Tu n'es pas exigeant, tu as compris. Tu demandes quelque chose. Et quand tu demandes, ça doit être comme tu veux. Sinon, on va venir prendre ton argent à des autres. Même quand tu demandes à un technicien de faire ton travail, tu es exigeant sur le travail. Dieu a l'esprit d'excellence. N'essayez pas les gens vous dire, oh, laisse comme ça quand même, non. Tu demandes trop. Non. Non. Akono. Tu étais Bamileke, oui. Tu t'appelais Tania. Tania de faux.
Tu as compris, Akono? Seigneur. Quand je vois les gens sont tribalistes, j'ai dit que vraiment, vous ne connaissez pas. Peut-être que dans ton autre vie, tu étais petit. Dans une autre vie, tu vas détester les gens là, pourquoi? C'est des bêtises. Peut-être que tu as même trois vies simultanées. Peut-être qu'on te couche la nuit dans un autre monde, tu es petit. Et tu es là, tu parles mal de ces gens-là. Soyez autoritaire, exigez. Et si c'est une femme dans la relation, le gars va commencer à dire, wow, tu aimes que ça se passe comme tu veux. Non. J'ai un standard. J'ai un standard. Je ne dois pas se passer comme ça là. On te paye. Il manque 500. Tu dis qu'il y a 500 qui manquent ici. Et quand toi-même tu payes les gens, tu payes les gens à temps. J'avais des affaires jusqu'à. Hein, mamie? Faut déposer là-bas, j'arrive. Vous avez pris que combien de temps pour faire? Hein, ma mamie? Je venais de me réveiller quand il m'a appelé là. On mange chez toi à quelle heure? Il est quelle heure? Moi, je me levais comme ça pour aller demander que mes volos, la nourriture là, c'est où? Je ne vois rien là. Vous voulez me faire manger? Manger le temps. Attendez, pas chercher mon truc là-bas du temps. Elle est venue déposer la nourriture. Vous n'êtes pas exigeant. Vous avez un standing que vous voulez. Payez vos gens à temps. Payez vos dettes à temps. Demandez qu'on vous paye ce qu'on vous doit. Vous allez voir que les choses vont venir vers vous à temps. Même sur votre standing de vie maintenant, soyez exigeant. Le réseau est en train de me vouloir me jouer et tout. J'ai beaucoup insisté sur cette partie parce que beaucoup de choisis. Beaucoup de choisis, vous avez ce souci-là. Vous êtes dû avec l'argent. Si tu ne payes pas ce que. Non, le réseau doit être stable maintenant. Je m'étais levé tout à l'heure. Si tu ne payes pas aux autres, ouais, qu'est-ce que c'est comment. Lavez-vous avec le sel. J'ai dit au marabout là de se laver avec le sel. Ils ne comprennent pas. Quand tu commences à avoir confiance en la puissance de Dieu qui est en toi, tu vas voir que. Parce que le choisir ne se fait pas l'argent comme tout le monde. Voilà, tu n'aimes pas faire ce qu'on te demande de faire. Voilà. Les gens vont venir autour de toi, ils vont te frustrer avec ça. Le choisir se fait de l'argent avec ses dons. Peut-être que tu as une façon de parler. Moi, par exemple, je me fais l'argent avec ma parole. C'est ma bouche qui me donne l'argent. C'est ma bouche. Moi, voilà, je vous parle, non? C'est ça qui me donne l'argent. Maintenant, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est important pour vous de découvrir votre mission de vie. J'ai des formations, j'ai mis ça, j'ai fait ça avec vous souvent. Comment découvrir sa mission de vie, comment transformer ses dons en argent. Parce que je vous dis souvent qu'un choisi ne doit pas travailler pour quelqu'un. C'est parce que. Voilà, il bénit mon repas. Hein. Il bénit ce repas au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit souvent que vous ne devez pas travailler pour quelqu'un. C'est parce que, en travaillant pour quelqu'un, tu vas opérer peut-être dans 2% de tes dons. Et 2% de tes dons ne peut te donner qu'une certaine somme d'argent. Maintenant, quand tu prends confiance en la puissance qui est en toi, et tu commences à offrir tes dons en service aux gens, ça va venir avec la rémunération. Et plus ton énergie va augmenter, plus ton argent va augmenter. Voilà. Merci beaucoup, ami. Non, vous allez attendez, je mange. Mmh.
Si vous avez des questions, vous pouvez poser. Non, ne lavez pas vos pieds si vous saignez. Comment enlever la jalousie de ses collègues? Ne brille plus, ma chérie. Deviens laide. Pauvre. Et que le patron travaille mal. Les collègues vont t'aimer. Ne t'habille plus bien. Posez vos questions alors. Bon, vous n'avez plus de questions. Je ne vois plus vos commentaires. Est-ce que vous commentez, mais je ne vois pas ou bien? Et tu dis que les gens de Facebook, c'est là, vous aimez trop rester dans le direct. Donc, vous dites que pendant qu'ils mangent, donnez-moi les questions. Vous ne posez pas les questions. Vous êtes malade. Moi, j'ai fini de manger. Tout ce que je fais vite. Et gagne mon argent vite. Je dépense l'argent vite. Et mange vite. Même quand tu fais l'amour, il faut vite faire. Bon, je vous ai enseigné aujourd'hui et si j'ai dit ceci, c'est parce qu'il y en a parmi vous, vous allez être attaqué, si vous n'êtes pas déjà attaqué. Et parfois, il y en a qui sont partis de votre vie. De temps en temps, ces personnes vont venir. Elles vont vous épier. Elles vont se sentir mal. Ou bien leurs affaires ne vont pas marcher. Elles vont regretter le temps où elles étaient avec vous. Mais au lieu de venir maintenant et dire que vraiment, quand j'étais avec toi, j'étais béni. Tu étais une bénédiction pour moi.
La personne va venir vouloir t'attaquer ou te faire encore. Parce que la personne connaît quel bouton appuyer sur toi pour te faire du chantage. Ou encore, la personne connaît ce que tu aimes, va venir te faire un cadeau émotionnel. Pour que tu revois encore, tu te dis, ah, peut-être que j'avais pas. Peut-être que je t'avais barré comme ça, c'était une mauvaise décision. Hein. Non, tu n'avais pas pris une mauvaise décision, ma chérie. Tu as bien fait de barrer la personne là. Certains vont revenir pour faire du chantage. Les pères de vos enfants, alors c'est grave. Vos baby daddy là. Vos baby daddy, c'est grave. Je reçois une dame hier, elle me dit, elle fait affaire avec le père de ses enfants. Quand il faut bosser, c'est elle qui bosse. Mais quand il y a l'argent qui entre, c'est lui qui mange l'argent. Il la prend comme une employée. Alors qu'ils sont dans le business ensemble. Non, je me suis dit, comme c'est le père des enfants, ouais, il faut quand même. Écoutez. Si c'est ton baby daddy, ce n'est plus ton gars, ça veut dire qu'il y avait des choses dans votre relation qui n'allaient pas. Vous avez décidé de vous séparer. Et prenez les gens par leurs actes. Ne les prenez pas par leurs mots. Oh, je t'aime. Toi-même, tu sais que quand j'aurai, tu seras bien. Si tu as maintenant, je n'ai pas. Tu ne me donnes pas. Ce n'est pas quand tu auras que tu vas me donner. Prenez les gens à leur parole. Excusez-moi. À leurs actes, pardon. Pas par leurs paroles. Croyez aux actes des gens. Croyez à leurs actes. Tu attrapes quelqu'un en train de te tromper. Tu vois les messages. Non, elle m'a assez seulement depuis haut. Moi, elle ne te trompe pas. N'est-ce pas, je suis avec toi tous les jours. Non, tu n'es pas avec moi tous les jours. Quand tu sors d'ici, je ne sais pas qui tu peux voir. Je ne sais pas si tu... Je ne sais pas. Et ce que je viens de voir, ça confirme que je voulais être comme je t'ai barré là. Ça confirme ça. Non, je suis avec toi 24 heures sur 24. Non, tu n'es pas avec moi. Tu es au téléphone avec l'autre. Donc tes actions... Tes actes me montrent que tu n'es pas avec moi. Prenez les gens à leurs actions. Toi-même, tu sais qu'elle ne compte pas. Voilà les mots qu'on vous sort souvent. Ça vous amadoue. Après, il te fait l'amour. C'est quel genre d'amour que tu n'as pas encore vu? Ton corps, ton corps me manque. Vite te gifler. Vous les femmes, c'est là. Vous, je vais vous gifler souvent. Pardon, vraiment, excusez-moi les femmes. Ok. L'argent qu'il a pris là, c'est, il est parti dépenser, c'est fini. Maintenant, il faut qu'il te contacte encore. Comment il a fait des trucs émotionnels. Non, tu dis qu'il n'y a pas l'espace. Tu t'aimes déjà assez. Tu ne veux plus que quelqu'un d'autre t'aime. I don't like myself too much. Et il y a aussi un truc que j'ai choisi. Vous passez trop le temps à chercher quelqu'un qui va penser à votre vitesse. Vous êtes unique. Certains d'entre vous, vous pensez trop vite. You're too fast. Tu arrives quelque part. Tu arrives dans un pays et tu fais un pas 3 semaines. Tu as commencé à te faire l'argent là-bas. Le gars est là-bas depuis 6 ans. Ce que tu te fais en 3 semaines que tu es arrivé là-bas, il n'a pas pu se faire ça en 6 ans. You're too fast, girl. Tu attends que l'homme là va te diriger en quoi? Vous attendez trop qu'on vienne vous dire que wow, pardon. On ne prend pas n'importe qui vous met sur sa tête. On ne met pas n'importe quel chapeau sur sa tête. Assure-toi que le chapeau là peut tenir ta puissance. Tu vas te lever le matin, tu vas attendre que c'est lui qui te dise ce que tu dois faire. Lui, d'abord, ce que lui-même fait avec ce qu'il sait faire là, ça donne quoi d'abord? Voir le résultat. Le résultat de ça, c'est quoi? Parce qu'il y en a qui vont venir pour copier ce que tu fais. Combien de fois vous êtes lancé dans le business avec quelqu'un? Tu es en amour, tu es amoureuse avec quelqu'un là, je vois vous sortir ensemble. Il voit comment tu fais le business. Demain, il n'a pas fait la même chose que toi. Combien de fois?
s'il connaît où tu prends ta marchandise. C'est des choses que vous ne devez même plus dire. Il connaît comment tu fonctionnes, là où tu prends ta marchandise, comment tu fais, tes fournisseurs. Devenez sage. Sage-t-on. Pas sage-ticonne, sage-t-on. Ne dévoile pas tout, 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 tout. Tu l'as connu, ça fait 3 semaines, il connaît déjà tout. Comment tu fonctionnes? Tu es une choisie, n'oublie pas. Un dragon peut devenir décepticon. Parce que c'est un esprit. J'ai tel projet, finance-moi, tu refuses. Tu sais comment il fait pour gagner mon argent là? I earn my money, man. Et si l'esprit ne me dit pas de te donner, je ne donne pas. I'm not going to give you money. Chérie, j'ai tel business. Parce que tu as vu dans mon compte, j'avais 15 000 euros, 50 000 euros. Tu as l'argent, non, donne-moi. Non, ce n'est pas parce que j'ai l'argent qui va te donner. Non, c'est seulement parce que tu viens, tu me fais la moula. Hein? Arrêtons de faire la moula alors. Je vais voir ce que tu me donnes d'autre. Arrêtons. Je vous prépare parce que votre argent va commencer à entrer. Vous les femmes là. Et le tout, si ce sera même pas ce que tu n'avais pas encore vu avant. Bon, officiellement, je ne vois plus les commentaires. Ce truc ne vous fait plus les commentaires. Donc, si vous voyez les Béninois qui commentent là, salut les seulement. Vous croyez que vous avez fait l'argent? Écoutez seulement ce qu'il dit là. Vous allez voir comment votre argent va se multiplier. Je n'ai jamais eu 100 000 francs en une semaine. Depuis 5 jours que je fais ce qu'elle dit, j'ai eu 300 000. It did work. Ce que je vous dis là, ça marche. Tu as fermé les canaux des énergies, qu'on volait ton énergie ici, là, là-bas, là-bas. Seulement comme tu as fermé comme ça là, ton énergie va rester, ça va commencer à te donner l'argent. Tu as enlevé les décepticons derrière toi, les dragoticons. Les baby dadicons là. Les pères de tes enfants, tes ticons là. Oui. Tu les enlèves derrière toi. Tu vois ton argent commence à venir. Il suffit que l'homme là t'appelle le matin. Ouais, tu faisais tout comme ça. Ouais, tu es tout désordonné. Il te dit un petit mot le matin. Ça casse toute ta journée. Tu aurais pu te faire 3000 euros cette journée-là. Tu ne fais rien. Voilà un exticone. Tu n'as plus parlé avec l'exticone là. Ne parle plus avec l'exticone là. Il ne t'écrive même plus. Bloque-le. Depuis que tu m'écoutes, tu as commencé à croire en toi, non? Tu as commencé à croire. Tu as cru que tu peux lancer le business. Tu peux devenir consultant. Tu montres aux femmes comment faire le business. Tu peux devenir coach. Depuis que tu étais avec lui, il voyait ça. Il savait que tu pouvais faire ça. Mais il savait que si tu fais ça, tu vas avoir du succès. Et tu vas le laisser. Et tu n'avais même pas l'intention de le laisser. Tu voulais seulement prospérer. Tu voulais seulement prospérer, c'est tout. Non, il fallait qu'il te bloque. Il fallait qu'il t'insulte tous les jours. Il y a certains hommes, vous avez de bonnes idées. Tu as commencé même 4 business. Si ta femme est quelqu'un qui est suivait seulement ce que tu as commencé, c'est que tu ouvres un truc comme ça, là, tu la mets dedans et gère. Mais tu n'as pas de femme ticone que tu as là. Toujours les problèmes de sa famille. Oh, mon oncle a ça. Oh, ma tante a ça. Tu es fatigué. Tu rentres le soir, tu lui parles d'un business, elle veut seulement te parler de tous les problèmes. Oh, il y a tel. Est-ce que tu sais que telle personne vient me parler comme ça? Tu dis, chérie, voilà, je vais aller à Dubaï acheter ça, je reviens ici, là, j'ouvre la boutique, tu vends. Non. Tu ouvres, tu mets les trucs dedans. Chaque mois, c'est ton coup qui paye le loyer. Même vendre les produits pour pouvoir payer le loyer, elle n'arrive pas à vendre. Oh non. Les femmes ticones, là, quittez derrière les hommes, pardon. Quittez derrière les choisis.
Ne vous précipitez pas trop vite pour faire confiance quand vous rencontrez de nouvelles personnes. Certaines personnes même ne méritent même pas de dormir dans votre lit. Même si vous ne... Certaines personnes ne méritent pas. Parce que ta puissance est régénérée dans la nuit. Il y a des hommes qui disent à leur femme qu'ils font chambre séparée. Ils se voient dans le jour où on fait l'amour. Mais tu as ta chambre, j'ai ma chambre. Il connaît qu'il doit protéger son énergie. Certains de vos partenaires, vous ne pouvez pas les empêcher d'aller faire certaines choses dehors. Pas boire, il est avec les amis, il fume. Après, il vient, il se couche sur le lit, tous les esprits là sont sur lui. C'est toi qui vas couper de ça la nuit. La définition qu'ils ont donnée du mariage est... Tu peux avoir une âme sœur dehors. Ça peut être une femme comme ça peut être un homme. Donc moi, je suis une femme. Je rencontre une autre femme qui a une vision du business comme moi. Spirituellement, elle est élevée comme moi. Quand on se met ensemble, on bosse. Ça fait des étincelles. Il y a piou, 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 ça marche. Je suis mariée à un mari ticone. Marie Ticon, avec lui, j'ai quoi? On partage quoi? On a des enfants ensemble. On a une maison ensemble. On a des fonctions, on a des choses qu'on remplit. Le mariage, c'est le business. Parce qu'on commence à mettre toutes les émotions et le contrôle là. Oh, tu es ma femme, tu dois faire comme ça. Oh, tu es. Ça bloque vos énergies. Certaines personnes, même si vous devez même signer bien séparé. Les femmes qui n'aiment pas travailler, vous aimez, vous levez les biens de mon mari. Travaille toi-même. Fais vite les enfants. Puis finis. Pap, tu les mets là-bas, tu mets la ménagère, tu pars travailler. Vous allez travailler avec l'homme, tu travailles, vous construisez quelque chose. 20 ans plus tard, il part pour une petite fille dehors. Il prend tout ton âge que tu as travaillé, il commence à enjoy avec la fille. Ça t'énerve. J'achète mon terrain, je mets à mon nom. Tu achètes ta part, tu mets à ton nom. Il n'y a pas les jalousies. Maintenant, on a nos projets communs. Le jour où tu veux partir, je ne suis pas à terre. Oh, il m'a quitté pour aller avec une autre fille. J'avais tout investi dans la relation. J'avais tout fait pour lui. Mamie, c'est le genre de dialogue que tu ne dois plus avoir. Mettez ça au début de vos relations. Je peux te donner ton fonds de commerce, tu fais ton truc, tu fais ta part, il fait ma part. On a les factures à la maison, on répartit. Je veux faire l'amour, j'ai mon mari, on fait l'amour. Le matin, oui, on cause. C'est une nuit que je sais que je vais faire mon travail spirituel. Je n'ai pas dormi dans ma chambre, tu donnes à ta part. Il sort, il finit avec ses amis tard, il vient, il se couche dans son lit, dort. Le pauvre aime tout le contrôle, oh, oh. Même si en ce marin, il faut polygamie. Hein. Baby, I don't got a problem, you know? Je n'ai pas un problème. Parce que si tu dois me faire polygamie après, même si on a signé monogamie, tu vas aller faire de haut. Donc, asseyons-nous, on vient, on voit les termes. Il n'y a pas de. Voyons les termes. On voit les termes. Comme je sais que plus tard, tu auras peut-être l'intention de prendre une deuxième. On s'arrange. Si on a le business ensemble, je connais mes parts, tu as tes parts. Si tu décides de prendre tes parts pour aller faire, pour prendre ta deuxième femme, il n'y a pas de problème. Vous allez vivre dans votre carabote ensemble. Je vais vivre dans mon duplex. You know, go take my money to do your, you know. Où est souvent les femmes seules, vous pensez que les femmes la souffrent? Oh, elle n'a pas de mari. Elle n'a pas tout ce que tu peux brandir, c'est seulement la bague. Et si on voit même ce que tu souffres dans le mariage là, tu ne peux même pas dire à quelqu'un.
Ne parlez pas et ne commentez pas. Moi, je n'ai pas besoin de votre commentaire. Ne likez même pas. Ne partagez même pas. Mais ce qu'elle vous dit là, vous savez que ce qu'elle dit, c'est vrai. C'est pour ça que depuis tes 5 dernières relations, tu cherches toujours l'appui sur un homme. Stop it. Parce que quand tu vas tout donner, à un moment, il va se sentir à l'aise. Mais attends un peu. Mais j'ai accès à son compte, j'ai accès à tout, mais je peux faire ce que je veux, moi. I can not just do what I want, you know. I just, like, I can do. Je peux faire ce que je veux, moi. Je t'avais fait confiance. Je t'avais ouvert tout. Tu as ouvert d'abord tout pour moi. Tu l'as rencontré. À 35 ans là, depuis que tu as 20 ans, 23 ans, tu bosses, tu économises, tu planifies. Tu penses que c'est n'importe qui mérite de venir comme ça en 6 mois, il entre dans tout ce que tu as? Il y a un livre de Trump, et j'écoute beaucoup Trump, ses livres. Et il dit, je sais pas si c'est dans de ses documentaires, je sais même pas trop. Quand il a rencontré Melania, ils ont signé le prenup. On s'aime bien. Tu as tes business, j'ai mes business. Quand on est à un certain niveau d'argent, c'est parce que vous les femmes, vous aimez dépendre des hommes. Quand on est à un certain niveau d'argent, je m'assure que je ne vais pas travailler pour que demain tu veux divorcer, tu portes mes 50 milliards de dollars, tu pars avec. Parce qu'on dit, oh, c'était ta femme. On s'y, au cas où on se... Dans une éventuelle séparation, voilà ta part, voilà ma part. Tout ce que j'ai acquis dans le mariage, qu'on ne sait pas déjà, voilà ta part, tu mets mes noms sur mes choses. Tu vas voir que vous allez vous aimer en paix. Tu vas pas avoir les arrière-pensées. Que si tu me trompes, hein, si tu me trompes avec une fille de 21 ans, hein, alors que moi j'ai 45 ans. Hein, non, 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 non. Parce que parfois, hein, quand tu découvres ça, c'est qui te fait mal au cœur. Tu vois toutes les années que tu as consacrées, tout l'argent que tu as donné, tout ce que tu as arrêté. On s'aime avec lucidité. Avant que l'homme là te rencontre, il travaille, non? Pourquoi qu'il te rencontre maintenant, c'est tout ce que toi? Protégez votre futur, s'il vous plaît. Et certaines personnes ne pensent pas au futur de leurs enfants. Ce qui fait que si tu veux seulement suivre la façon de faire de ton mari, vos enfants n'auront aucun terrain à leur nom. Vous n'allez rien donner aux enfants. Il va gérer comme ça, là. Après ça va tomber. Gérer comme ça, ça va tomber. L'enfant se retrouve à 15 ans, il n'a rien sur son nom. 20 ans, rien. Rien dans le compte épargne. Alors que si toi, la mère, tu étais sage. À un moment, tu prends un terrain, tu mets sur le nom de l'enfant. Après, tu as un petit bénéfice qui est sorti sur un business. Tu prends, tu bloques dans le compte de l'enfant. Si tu es au Cameroun, va acheter le terrain avec. Tu as même 3-4 millions là, va acheter le terrain, tu mets sur le nom de l'enfant. Tu gardes ça quelque part. C'est pas tout qu'on partage. Il y a des hommes qui te quittent, même tes enfants, ils oublient tes enfants. Vous allez souhaiter que vous soyez tombé sur ma vidéo depuis longtemps. Que ouais, la femme c'était où dans ma vie depuis? Tu es derrière lui maintenant. Occupe-toi de tes enfants. Occupe-toi de tes enfants. Occupe-toi de tes enfants. Il te fuit. Parce que l'homme, quand il aime, il aime tous ses enfants. Il aime tous. Même s'il a fait des enfants avec 5 femmes. Il va aimer tous ses enfants, que même chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il en vient des enfants? Si c'est que sa dernière femme là, c'est elle qui a le plus de pouvoir maintenant. Et que tes enfants sont en âge d'aller à l'université. Il va mettre la priorité sur les enfants de la femme là, parce qu'ils doivent aller à la maternelle, non? N'est-ce pas? Il faut qu'on les mette dans la maternelle du Russian College. 2 millions l'année. Toi, il faut 4 millions pour que tes enfants partent en Europe. Si tu avais mis une petite cartouche de terrain quelque part, tu as acheté le terrain là, il y a de cela 15 ans, tu as acheté ça 500 000. Aujourd'hui, ça vaut 15 millions. Tu vas porter, tu vends même la moitié du terrain là, tu prends 7 millions dans ta main. Tu fais les papiers de tes enfants.
Vous êtes séparés, tu es allé en Bengale, les enfants sont ici, ils souffrent. Tu te démerdes, tu vends un de terrain, tu fais les papiers de l'enfant, il vient en Europe. Tu donnes les papiers à l'enfant. Tu veux pas que ton enfant souffre. Il y a les souffrances qu'on a souffert que nos enfants doivent plus souffrir. Tu laves ton enfant. Faites le lavage de vos enfants. C'est la procédure qui est bloquée à l'ambassade depuis 2 ans là. Ça passe. L'enfant là vient là-bas, tu donnes ses papiers. Il prend sa nationalité. Tu le mets dans une grande université là-bas. Vous n'aimez pas la sagesse. La Bible dit qu'on vous a donné la sagesse, vous avez fui, vous avez rejeté la sagesse. La sagesse crie dans la rue, venez, venez, simpleton, venez. Ah, on va s'enjailler. Eh, j'ai rencontré un gars. Tu ne réfléchis pas. Tu dois avoir de la substance. Qu'on ne puisse pas te saigner. Que tu as mis 15 terrains que tu as acheté. Tu montes 3 terrains. Je parle mes choses et ris souvent seul. Ouais, Seigneur. Bon, je vais vous laisser. Hein. Je ne sais pas qui parmi vous tirait les paroles qui sont sorties de ma bouche là. Parce que je n'avais même pas prévu de dire ça. Je sais qu'il y a une femme qui a besoin de sagesse quelque part. Tu as besoin de sagesse. J'espère que c'est entré dans tes os. J'espère qu'on ne t'y prendra plus. On va vite t'attraper de la même façon. Parce que le truc, c'est que malheureusement, le mariage tourne souvent à un truc que quand tu vois l'autre s'amuser sans toi, ça te fait mal, ça t'énerve. Et quand toi-même tu t'amuses, l'autre sait que tu t'amuses sans lui, ça l'énerve. Maintenant, chacun dans le foyer a ses choses qu'il aime d'abord à la base. Peut-être que lui, ce qui lui plaît, c'est aller boire la bière avec ses amis. Ça lui plaît. Peut-être de temps en temps, avoir une petite copine dehors un peu là. Un mois de relation là, après, il arrête. Ça lui plaît. Toi, tu as tes choses que tu aimes. Tu montes, tu descends. Il faut pas que le mariage soit la prison, le genre que oh, depuis que je me suis marié, j'ai arrêté tout ce que j'aimais faire. Tu vis alors pourquoi? Faut mettre les choses de telle façon que s'il a comprimé certaines choses pour te faire plaisir, à un moment ça va exploser que pouf, tu vas seulement te rendre compte qu'il est parti, je ne sais pas trop faire quoi. Que ça ne te choque pas trop. Digère. Et toi, me fais-toi plaisir. Ne dis pas que oh, je me privais pour toi. Oh, colo. Tu veux maintenant, tu manges. Tu as un peu d'argent, tu vas acheter une nouvelle voiture pour te faire plaisir. Achète ta voiture. Buy your car. L'autre là, buy your car. Conduis ta voiture. Et qu'il est. La prochaine voiture là, c'est la Cayenne. Buy your car. Oui, Seigneur, pardon, laissez-moi comme ça. Là. Et tout ce qu'elle a choisi, hein. Il suffit que tu désires quelque chose. Je suis sûr que la semaine là, tu vas trouver un moyen pour avoir la chose là. Il suffit que tu penses à un pays. On va te donner un visa pour le pays là. Je vais aller m'installer aux États-Unis. Dans la semaine là, quelqu'un arrive comme ça dans le bus ou bien je sais pas trop, on a au feu. Ah tiens madame, oui j'étais aux États-Unis, oui on s'est installé là-bas mon mari et moi. Oui la procédure était facile hein. Ah mais vous avez fait comment? Ah mais tiens regarde, tu vas sur le site ici. Ils ont une convention qu'ils ont passée avec les pays du Commonwealth. Voilà regarde, tu fais ta procédure, c'est simple hein. J'en parlais avec mon mari, mon ex-mari, ça fait même pas 10 jours. On cherche un moyen pour immigrer là-bas.
Mais voilà ça là-bas, voilà ça là-bas, la procédure. Écoutez, vous êtes connecté à Dieu. Vous ne pouvez pas désirer quelque chose, ça ne vient pas. Comme je vous parle maintenant, là, visualisez une voiture. Voyez une voiture que vous voulez. Voyez l'année de la voiture là. Voyez-vous en train de conduire la voiture là. Oh my God. Mais les nouvelles voitures sont confortables à conduire, vraiment. Quand tu sors des voitures qui font coutou, 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 coutou. Quand tu commences à acheter des voitures 2015, 16 là, ça a le goût. 2020 alors, hein. Jesus is Lord. Mamma mia. Pardon, voyez-vous, sentez le cuir de la voiture là. J'ai une voiture que j'aime beaucoup, la F-Pace. F-Pace. Chi. J'ai travaillé chez Jaguar, ça fait 4 ans. La voiture là avait quelque chose. Ça avait quelque chose. Le cuir de la voiture la sentait particulièrement bon. Quand vous avez vu la voiture là aujourd'hui, je vous assure, dans maximum 2 semaines. Tout ce que tu vois, il y a juste ce que seulement que tu ne connais pas le réseau de quelqu'un qui va t'introduire à la chose. Rien n'est difficile ici dehors. Rien n'est difficile. Même les papiers que tu cherches là. Il y a quelqu'un qui a le réseau de ça. Tout c'est l'énergie. Maintenant, ne te bloque pas en disant, ah, maman, ici en France, est-ce que tu as vu quelqu'un qui a la voiture? Qui a un noir qui conduit la voiture 2021 ou 2022. Maman, la Mercedes en plus. Non. Tu te bloques déjà toi-même. Tu te bloques déjà toi-même. Même au Cameroun, hein. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, c'est plus facile d'avoir le crédit à la banque qu'en Europe? Dieu va te connecter à quelqu'un, il va te dire que va dans la banque là, la petite banque là. Tu vois la petite coopérative là, oui, va là-bas ouvrir ton compte. La microfinance là, va là-bas. Tu gères le compte 6 mois, 1 an, on voit comment chaque mois tu as constamment 1, 2 millions qui tournent, 1, 2 millions, 3 millions, 5 millions. Va chercher tes 2, 3 terrains là, non. En attendant, pendant ce temps tu achètes les terrains. Va taper les titres foncés sur la table là. Prends le premier petit crédit, tu rembourses. Deuxième, tu rembourses. Tu tombes sur un papa un jour, le papa me dit, ouais ma chérie, que si tu veux dans quelle banque, je vais t'avaliser ma chérie, ma fille, je vais t'avaliser. Que ma fille, tu te bats trop, je te vois comme tu vois là. Après mon direct, il y a certains parmi vous que vous devez partir ouvrir vos comptes par la foi. Allez ouvrir les comptes bancaires par la foi. Ne mettez plus l'argent dans Orange Money. Fais circuler l'argent dans ton compte bancaire. Ça, c'est des choses que je vais parler avec vous pendant les formations. Parce que dimanche, c'est demain, oui. Demain, c'est le 15. Le 15, c'est quand? On est le 12. Le 15, c'est... Le 15, c'est peut-être mardi. Je ne sais pas. Mardi. La formation pour les gens qui veulent les entrepreneurs, là. Donc, on va faire les écoles d'entrepreneuriat. Vous devez arrêter de détester les banques. Ce seront vos bons alliés. Tu gères bien ton compte dans la banque, que ce soit le visa que tu veux demander demain. Et vos entreprises doivent être enregistrées. Vous payez vos impôts, vous payez tout. Donnez à César ce qui est à César. Tu as toute ta paperasse. Tout. Tu veux le visa pour aller n'importe où. Même pour aller au ciel, on va te donner le visa. Prends ma chérie. Visa business, s'il vous plaît. Visa affaires. Arrêtez de penser petit. Dans l'école que je fais, je veux que vous commenciez à penser grand. Et certaines choses, ce sont vous manquez seulement d'informations. Tu peux être là depuis, tu cherches l'argent pour faire le business, tu cherches. Et suffisamment, tu tombes sur une personne qui connaît. Il y a le système des tontines aussi. Ne partez pas les tontines de 10 000. À l'entrée des tontines, vous payez au moins 500 000 au mois. 500 000, 1 million là. C'est que tu portes la tontine, même 20 millions comme ça. Tu déposes quelque part. Tu peux déposer 20 millions à la banque pour qu'on te donne même 100 millions.
ou mes 150 ou 200 millions. Sortez des petits, petits trucs là. Sortez des petits, petits trucs, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Libérez la ligne. Et ceux qui ont les abonnés que vous avez quittés sur ma page, quittez. Quittez. On vous parle des kits de 25 000, 50 000, comme ça, à pleurer l'argent. Vous savez que c'est la seule page où je vous insulte. Je parle, après vous insulte encore bien. Vous voulez penser petit. On t'écrit que tu me dois 50 euros, tu me dois 500 000 francs. Pensez grand, s'il vous plaît. Pensez grand, pensez grand. Si tu as un business que tu as fait à 200 millions, tu sais combien ça peut te rapporter par jour? Ça ne sera pas 500 000 le revenu quotidien. Jamais. Jamais. Tu prends un crédit de 200 millions, tu construis un petit immeuble. Juste un petit truc, tu fais des meublés. Oh, l'argent, l'argent. L'argent est facile à faire. Tu te mets pour objectif que je rembourse les 200 millions, c'est en 6 mois. 6 mois, je rembourse votre argent. Et des objectifs qui vous secouent la tête. C'est en 6 mois, tu as pu faire le chiffre d'affaires de 200 millions. Et c'est possible. Ça veut dire que les 6 autres mois, tu as 200 millions que tu mets dans ta poche. Avec les 200 millions, là encore, tu peux construire un autre. Moi, là, j'ai des pensées, des grandes ambitions. Je ne suis pas dans les petits, petits trucs. Ne vois pas parce qu'il m'assoit ici chaque fois que je vous parle. Je n'ai pas encore commencé à parler d'argent avec vous. Il y a les maisons que vous louez, que vous devez acheter la maison là. On te dit que c'est 300 millions. Tu dis, ok, donne-moi un an, je te paye ta maison là. Pas vos mortgages, vous partez prendre les crédits en Europe là-bas, vous payez la maison en 30 ans. 30 ans. 25 ans. Vous êtes dans la prison. Vous êtes dans la prison. Tu dois remettre même 10 millions de crédits par mois. Tu payes 15 000 euros, tu rembourses 15 000 euros à la banque chaque mois. Pas les trucs de 500 euros. 500 euros, c'est quoi? You have to think fast. Les choisir, vous devez penser vite. On est dans l'ère de la multiplication exponentielle monétaire. C'est-à-dire, tu peux prendre 100 euros, ça devient 100 000 euros en 6 mois. Je vous ai dit, tout c'est l'énergie. Il y a des gens qui doivent quitter à côté de vous. Je le dis, je le dis, je le redis, je le dis encore. Marie, ticone, femme, ticone, décès, ticone, ils doivent quitter. Et tout ce que tu penses, tu peux le faire. Tout ce qui entre dans ta tête. Donc comme je parle là, il y en a qui reçoivent mes idées, ça va aller fleurir dans vous. Tout ce que tu peux déjà penser, dès que c'est tombé dans la tête là, tu peux faire. On vous a limité à 2000 euros le mois. 2000 euros. Il y a des gens au pays qui te dépensent 2000 euros en 2 heures de temps. Tu vas aller à 25 jours de travail pour avoir 2500 euros. Gars, tu dois revoir certaines choses. On t'a conditionné. On t'a conditionné. Écoutez, les gens qui me payent le plus la dîme sans compliquer, ce sont les gens qui ont beaucoup d'argent. Parce que quand ils m'écoutent, ils savent que ce que je dis là, ils savent, ils mettent en pratique. Je vois pas quelqu'un va venir avec la dîme de 50 000. Commencer à vouloir te faire le chantage. Écoute mes enseignements, va mettre en pratique. Tu n'as pas besoin de me parler. Tu vas voir que tu payes. Tu avais pour. Chaque mois, tu donnais d'abord 50 000 parce que ton revenu était 500 000. Dans chaque semaine, tu payes 50 000 de 10 000. Après, ça vient maintenant chaque jour. Il y a l'énergie qui a augmenté. Something has shifted in your energy. Bon, je vous ai assez laissé entrer dans mes pensées aujourd'hui. Je pense que ce sera tout. La main de Dieu est sur vous, sur vous, sur vous. Personne ne peut vous arrêter. Il y en a parmi vous, vous êtes réveillé à 5 heures pour aller travailler, non? N'est-ce pas? Je suis au bord de la piscine depuis le matin. Il va encore tourner un peu ici, là. Moi, vous parlez, vous avez commencé à dire, ah, je vais faire comment? Si je ne fais pas comme ça, je vais faire comment?
Bon, il ne faut pas que les jalouticons là viennent me déranger. Je dois vous laisser. Bye bye. Bon, les formations, la formation là, j'ai les places limitées. Hein. Il y a certains qui vont payer 100 000 le mois, il y en a qui vont payer 50 000 le mois. Je ne veux pas prendre trop de personnes. Et surtout, je ne veux pas les Decepticons, je ne veux pas les Clienticons. Voilà. Je préfère que tu sois déjà ton business qui tourne ou bien que tu sois en train de lancer ton business. Mm-hmm. Tu es salarié, ne viens pas dans ma formation, pardon. Je vais te parler d'entrepreneuriat, d'investissement, comment économiser, comment... Tu vas commencer à être perdu. Tu vas mettre la peur, je ne veux pas ça. Je veux que l'énergie dans le groupe soit vraiment... Quand quelqu'un me dit que je vais, mon assistante va te contacter, ma secrétaire va te contacter, c'est ça qu'elle veut. Pas pour que tu es encore là, tu stresses, tu as peur de 50 000, tu as peur, 100 000, tu as peur. Tu n'es pas encore prêt à recevoir l'argent. You're not ready. You're not ready yet. Bonne journée à vous.